On se retrouve aujourd'hui à Fressin, à 12 km de Fruges, sur la route qui rejoint Hesdin, pour un week-end synonyme de fête. C'est au château de la ville que se déroule le plus grand événement de l'année, avec au menu concerts, spectacle, feu d'artifice. En à peine 3 heures, le château reprend vie devant une foule immense de femmes, d'hommes, d'enfants venus ici s'amuser et célébrer les vestiges du château. Pendant toute la soirée du 2 août 2019, l'équipe de Fruges News a assisté à ce show exceptionnel. Ce reportage sera divisé en 3 parties. Nous vous raconterons d'abord l'histoire du château de Fressin, puis nous continuerons sur l'organisation de cette soirée pour enfin vous montrer les meilleurs moments inoubliables de l'événement. Fruges News vous invite au cœur de la folle nuit du monde. Avant de parler de cette belle fête qu'est la folle nuit du monde, il est important de se remémorer l'histoire du château de Fressin. Car même si pour certains ce lieu unique n'est que fête et lumière en août, il reste cependant un monument historique qui a marqué l'histoire de la région et de la France. Tout commence à la fin du Moyen-Âge, à l'aube du 15e siècle, où Jean V de Créqui décide d'édifier un château fort en pierre blanche. Jean V de Créqui est le seigneur de Créqui, de Canaples et de Fressin, ainsi que chevalier de la Toison d'Or. Son frère est mort à la bataille d'Azincourt, non loin de Fressin. Son fils, Jean VI de Créqui, vivra dans ce château jusqu'en 1515, date où il décède et laisse la plupart de ses meubles. Ce qui fait de lui la seule personne ayant habité dans le fort. De ce fait, cette résidence seigneuriale prend comme nom le château des Créqui. Au niveau de l'architecture, il est renforcé de 4 grandes tours aux 4 angles et 3 tours assurent les courtines. Cela leur permet de faire face à l'artillerie ennemie. Ce château est utile afin de défendre la terre de l'Artois contre l'Empire espagnol de Charles Quint. Désormais, évoquons les dates importantes de ce monument, et il y en a beaucoup. En 1522, les Anglais ont tenté de le détruire, en vain. En 1525, c'est Philippe II de Croix qui s'en empare. En 1544, certaines troupes anglaises l'occupent afin de protéger le passage entre Hesdin et Thérouanne. En 1552, il est repris par les Français avec Adrien de Croix. En 1557, les Français intègrent une garnison de Gascons et d'Italiens dans l'enceinte du château. Ensuite, le château tombe dans l'oubli pendant plusieurs décennies. C'est en 1658 que le château de Fressin connaîtra son année la plus fatale, puisque Balthazar de Fargues, maître d'Hesdin, fit détruire tous les châteaux de la région, dont celui de Fressin, attaqué au canon et à la mine. Depuis, il ne reste que des ruines et la quasi-totalité du château a disparu. Au 19e siècle, plus précisément en 1852, les vestiges sont cédés au baron de la Cellière. Et c'est grâce à cette famille que le château sera sauvegardé et est encore présent aujourd'hui. Par la suite, beaucoup de propriétaires se succèdent jusqu'à ce que les vestiges tombent dans l'oubli et que la nature ait repris ses droits. En 1993, sont organisées des fouilles archéologiques où l'on découvre des souterrains, des salles et des puits.
D'après un arrêté du 8 août 1996, le château de Fressin est inscrit au titre des monuments historiques du patrimoine. Pendant quelques années, des bénévoles font revivre ces ruines avec un spectacle intitulé « Son et lumière » en hommage à Raoul de Créqui, chevalier français tué lors de la bataille d'Azincourt également. Ce spectacle est un lourd succès, comme vous le témoignent ces images d'archives. Puis, l'association du château reprit le flambeau avec un nouveau spectacle appelé Folle Nuit du Monde, qui connaît un large succès également. Soit dit en passant, et pour évoquer l'histoire de Fressin, il faut savoir que l'écrivain Georges Bernanos passe son enfance et son adolescence dans notre ville. C'est pourquoi on retrouve dans ses romans un héritage du Nord. D'où la réputation de Fressin. Pour que le spectacle soit réussi, il faut une organisation optimale de la part des bénévoles. La Folle Nuit du Monde est un événement organisé par l'association du château de Fressin avec le soutien de la communauté de communes du haut pays du Montreuilois. Un soutien économique, artistique, événementiel et publicitaire. D'ailleurs, la publicité est très importante afin d'attirer le plus de monde en ce 2 août 2019. Quelques semaines plus tôt, les habitants qui résident autour de Fressin ont pu voir dans la rue ces petits panneaux jaunes indiquant le spectacle nocturne du vendredi soir, mais également les animations médiévales du dimanche. Ces panneaux ont été placés en bordure de route, souvent dans l'entrée du village, et ont pu attirer l'œil. Et il y en avait beaucoup. Ensuite, il y avait des plus grandes affiches faisant la promotion de la Folle Nuit du Monde, comme ici. Toute l'après-midi du 2 août, techniciens et bénévoles se sont rendus sur place afin de préparer la belle soirée. Branchement des haut-parleurs, positionnement des lumières, test des micros, mise en place des accessoires, placement des fusées pour le feu, implantation de panneaux dans la rue, ou encore de banderoles pour ne pas que les spectateurs se garent dans le parterre des fleurs des Fressinois et des Fressinoises. Au niveau de la sécurité, à partir de 19h30, des agents en gilet jaune étaient placés au carrefour de Fressin afin d'indiquer aux spectateurs où ils devaient se garer. Toutefois, face à nous va se passer l'impensable. Car même si le spectacle est réussi et bien organisé, il reste cependant des soucis internes au niveau de la sécurité. Le but de ce reportage n'est pas simplement de mettre en valeur l'événement. Le but est également de montrer tous les aspects de ce dernier, même si cela peut être défavorable à l'association. Il s'agit d'une immersion au cœur de la Folle Nuit du Monde. Il faut savoir que 3 parkings étaient ouverts pour la Folle Nuit du Monde. Le plus grand était installé dans la prairie qui fait l'angle entre la rue Blanche et la Grande Rue. Et les 2 suivants étaient installés dans la Grande Rue, juste à côté du château. Trois parkings mis à disposition pour les spectateurs, mais dès 19h30, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer sur le premier, celui qui se trouve à 1 km du château. Voici le dialogue officiel que nous avons eu avec ceux qui faisaient la sécurité. Vous allez au château ? Oui, oui.
Très bien, garez-vous ici. Mais il y a d'autres parkings d'ouverts plus proches du château. Non, non, il n'y a qu'ici. Vous êtes sûr? Eh, c'est ce que je dis, je suis pas con. Je te dis que c'est ici que tu dois te garer, alors tu te gares ici. Mais je vous assure qu'il y a deux autres parkings d'ouverts. Hein? Mais très bien, je me gare ici, mais renseignez-vous quand même. Le maire a dit de se garer ici, alors tu te gares ici, point barre. Pas la peine de vous préciser que l'agent à qui nous avons parlé était fortement alcoolisé. Mais nous ne remettons la faute sur personne et pensons alors que les deux parkings situés à 200 mètres du château étaient certainement complets. Sauf qu'en passant devant, nous nous rendons compte qu'il y a moins d'une dizaine de voitures stationnées et qu'il y a encore beaucoup de place. Nous pensons surtout aux personnes âgées et aux enfants qui vont devoir marcher 2 km aller-retour alors qu'ils auraient pu très bien marcher moins de 500 mètres. De ce côté, cela laisse à désirer. Arrivés au château, les spectateurs ont pu se restaurer en mangeant une frite avec un sandwich pour une valeur de 5 euros. De plus, il y avait une buvette installée en haut pour pouvoir boire une bonne bière fraîche devant le concert. Pour pouvoir assister à la folie du monde, il fallait soit acheter ses places dans la semaine à l'office du tourisme pour pouvoir éviter de faire une longue file d'attente, ou soit les acheter sur place le soir même. C'est pourquoi, à 22h, certains étaient seulement en train de s'installer, quitte à déranger les spectateurs assis face au concert. Les prix des places varient de 3€ pour les moins de 18 ans et de 7€ pour les adultes. Autre léger souci d'organisation se trouve au niveau des horaires. Voilà comment était prévue cette soirée. 20h, ouverture des portes. 21h, concert. 22h15, spectacle burlesque. 23h, feu d'artifice. Or, les portes ne se sont ouvertes qu'à 20h30 et le concert a commencé à 21h20. Petit détail qui peut porter son importance pour ceux qui attendaient depuis 19h30, soit 2 heures plus tôt. Le spectacle de la folle nuit du monde se passe au centre du château, là où se trouvait la cour haute, dans une sorte d'amphithéâtre naturel où les spectateurs devaient s'asseoir par terre. Certains étaient plus prévoyants que d'autres et ont prévu des couvertures, des oreillers. D'autres encore ont décidé de ramener leurs chaises de jardin pour être plus à l'aise devant ce show proposé par le château de Fressin. Toutefois, tellement l'événement est important et tellement il y eut de monde, certains spectateurs ont dû s'installer derrière cette ficelle qui délimitait la zone. Avant le feu d'artifice, on demanda à ces personnes de reculer pour ne pas recevoir d'étincelles. Donc, pour des questions de sécurité, je vais peut-être demander un petit peu à cette partie à ma droite de reculer un tout petit peu. S'il vous plaît, les gars. Thank you.
En attendant que les techniciens finissent de tout installer, en attendant que les Fraissinois et Fraissinoises ou tout autre spectateur finissent d'arriver, en attendant que les chanteurs et musiciens finissent de se préparer, en attendant que le château débute sa folle nuit du monde, nous vous laissons admirer avec joie et respect le meilleur de cet événement annuel qui rassemble petits et grands. Bonsoir à tous! Bienvenue au château de Fraissin pour cette 8e édition des Folles Nuits du Monde. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, nous allons commencer avec une heure d'un concert de groupe Amis Chemin. Ils nous viennent de étape. Donc, c'est la Côte d'Opale, c'est à côté de chez nous. Donc, pour commencer, après ça, on a un cri de guerre. Il fait beau, il fait chaud, et il y a du soleil là. Je vous souhaite à tous un bon concert et à tout à l'heure. Merci pour eux. Génial. On met le feu à Fraissin. On y va. 1, 2, 3. Il a pris l'amour, il déverse la haine, il ne respecte rien, pas même les hommes en peine. Merci. Merci beaucoup. Après quelques chansons de notre répertoire, donc forcément, on n'est pas encore très connus, on va pouvoir chanter forcément avec des chansons qui ont traversé le temps. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Est-ce qu'à Fraissin, il y a des fans de Charles Aznavour? Y a-t-il à Fraissin des fans de Charles Aznavour? Ok, c'est mieux. La prochaine, justement, elle est pour vous et ça parle un peu de la même chose. Ça s'appelle « Emmenez-moi ». Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la vie semble que
peut faire. La 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 la. Vous pouvez lever les mains en l'air, s'il vous plaît. La 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 Messieurs, dames, encore deux petites chansons pour nous. J'espère que ça vous a plu, notre spectacle. Car après, il y a une belle troupe qui vous attend aussi, qui vont vous présenter leur spectacle. Nous, en tout cas, on a été ravis d'être avec vous ce soir. Est-ce que ça va? Non. Rien de rien, non. Je ne regrette rien, non.
qui envoie un texto. Tout le monde est chaud pour un petit resto avec des potos et plus y a fini tout. Allons amis, viens au rêve. Faisons un Michelin, lui pose une fève. Partageons cette richesse d'être là. Après ce concert magique rassemblant des morceaux originaux et un registre éclatant de bonne humeur, À mi-chemin laissent leur place à un spectacle mélangeant jonglerie, burlesque, accident et manipulation d'objets. À l'image de Chaplin et de Keaton, le duo belge Gonzalo Alalcon et Joris Verberen nous propose une ouverture de leur nouveau bar, Chiringuito Paradise, telle une performance de rue. Celle-ci est réalisée par Christine Rossignol et on vous laisse découvrir les meilleurs moments de cette pièce drôlissime. Ha ha ha!
Pendant que le rire des enfants résonne dans l'enceinte du château, la troupe du Sitting Duck salue la foule face à une standing ovation. C'était pour eux, comme pour les spectateurs, un régal artistique proposé par ces deux comédiens talentueux. Désormais, il est l'heure de voir ce qu'attend tout spectateur et toute spectatrice, le fabuleux feu d'artifice qui va réveiller le château. Mais avant cela, laissons la parole à l'association du château de Fressin pour les remerciements, mais aussi pour parler de ce qui se passera dans deux jours au château. Avec château en fête dans deux jours, donc le 4. Donc là, c'est complètement déjanté également. On aura une troupe médiévale et cette année, on accueille des vikings. Avec la tyrolienne qui a plu l'an dernier énormément pour nos ados et même les plus, un peu plus années. Et on aura l'attaque du château par des indiens avec des cow-boys. Et enfin, on sera accompagné de la country dance de Fruges et un marché médiéval de 13 artisans. Donc encore une fois, un grand merci à la communauté de communes pour son aide et son investissement pour que ce château vive encore. On espère encore pour longtemps. C'est avec beaucoup d'émotion parce que je ne sais pas combien vous êtes ce soir, je ne vois plus tout le monde. Alors un grand merci. Maintenant, on va laisser place à Régie Fête. Et je voudrais qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements avant de commencer. Alors, Frédéric et toute son équipe, un tonnerre d'applaudissements. Merci, merci. Bon, on va arrêter là parce que sinon on perd pleurer. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour et merci à tous. Maintenant, place au spectacle. Quant à nous, on se retrouve juste après le feu pour faire un débrief de ce reportage et de cet événement explosif.
le public. Sans vous, il n'y aurait pas de spectacle. Et il faut un spectacle pour faire de très bonnes choses. Merci, bon retour. Allez doucement dans la montée, dans la descente. Merci. On va faire monter, hein. Spectaculaire, émouvant, vivant, incroyable, explosif, surprenant, grandiose, extraordinaire, exceptionnel, impressionnant, faramineux. Nombreux sont les mots pour décrire ce feu d'artifice, mais également cet événement que nous propose l'association du château de Fressin. Le pari des bénévoles était de faire vivre le château une nouvelle fois, et c'est un pari réussi puisqu'en à peine 3 heures, les spectateurs repartent les étoiles dans les yeux. Cette soirée était pour eux importante, car on ne participe pas seulement à un concert bidon et un spectacle comique, loin de là. Il s'agit pour les habitants de la région de rendre hommage aux propriétaires du lieu et de remercier la vie de nous offrir un tel spectacle. Au fond, même si nous avions découvert des légers soucis au niveau de la sécurité à l'entrée, la folle nuit du monde reste un événement futuriste avec une lourde et importante organisation derrière. Le concert était exquis, le spectacle était délicieux et le feu apporte sa cerise sur le gâteau. En chiffres, c'est près de 1500 personnes, tout âge confondu, qui sont venues dans l'enceinte du château. À une valeur de 7 euros par personne, le total des recettes s'élèverait à environ 10 000 euros maximum au profit du château, sans compter les 5 euros du repas. À noter que ce soir-là, il y avait moins d'une trentaine de bénévoles pour satisfaire le public ch'ti. C'est pourquoi, grâce à ces bénéfices, que le spectacle de la folle nuit du monde ne peut qu'être grandiose et incroyablement génial. Contactée par l'équipe de Fruge News, l'association ne souhaite pas communiquer les coûts de ses activités. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la mesure de vous dire à quel prix s'élève l'événement ainsi que le feu d'artifice. L'an dernier, Folle Nuit du Monde n'a pas eu lieu à cause de la sécheresse. Pour des mesures de sécurité, l'association a préféré annuler, il y avait trop de risques avec le feu d'artifice. Cependant, l'affiche était prête. Et si on la compare avec celle de cette année, c'est la même. Les groupes À Mi-Chemin et Sitting Duck étaient prévus en 2018 et ont été transposés pour l'édition de 2019. En espérant qu'en 2020, l'association nous surprendra. Si vous aussi vous êtes tenté par ce spectacle, n'hésitez pas à vous joindre l'année prochaine aux spectateurs habitués qui reviennent année après année. De plus, vous pouvez également visiter le château quand vous le souhaitez. Pour cela, veuillez contacter l'association du château au 03 21 86 56 11 ou par mail à association@chateaudefressin.fr. Nous espérons que ce reportage vous a plu et a permis de mettre en valeur l'événement malgré tout. C'était une immersion au cœur de la folie du monde, réalisé par l'équipe de Fruge News, le seul journal de Fruges.